Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un Culture Z spécial Tortue Ninja. C'est ça, Tortue Ninja. On est chez Xavier. L'émission est sponsorisée par Comic Zone. Merci Kader. Toi, t'es fan des Tortues Ninja. Tout à fait, ouais. Est-ce qu'on pourrait rappeler aux gens, avant de manipuler et de voir ta collègue, l'histoire des Tortues Ninja? Plein de gens vont nous dire que c'est un dessin animé des années 80, 88, un truc comme ça. C'est ça, ouais. Mais pas du tout l'histoire des Tortues. Comment ça va? Alors, les Tortues, ça a été créé en 1984. À la base, c'est un comics qui a été écrit par Peter Laird et Kevin Eastman. Alors, les gens, quand tu dis comics, souvent, ils pensent comics, ils pensent Marvel, édition vendue dans les magasins, etc. Là, c'était pas tout à fait ça au départ. Non, c'est pas tout à fait ça. Non, tout au départ, ils étaient dans une mini-con pour essayer de lancer leur projet. Bon, ils ont essayé de faire des choses avant pour essayer de lancer dans le comics, justement. Ils sont partis sur un délire de dessiner des tortues. Avec une histoire, avec un méchant. En parodiant Daredevil. Un petit peu, oui, tout à fait. Voilà, ouais. Parce qu'il y a le clan de la main dans Daredevil, du E, c'est les clans foot. C'est ça, ouais. Et c'est le même mutagène qui a donné les pouvoirs à Daredevil. Tout à fait, ils sont tombés dans les égouts. Exactement. Les tortues ont baigné dedans, ça a muté, elles ont muté. Il leur a appris le kung-fu, le ninjutsu surtout. Il leur a donné quatre noms de peintres italiens de la Renaissance italienne. Et puis les tortues déjà sont nées, il y a un méchant qui est là, qui est Shredder. Bien avant d'autres méchants qui arrivent plus tard au-dessus de Shredder. Oui, tout à fait, ouais. Mais ouais. Le premier, à la base, c'était Shredder, c'était un one-shot à la fin. Et donc c'est une sorte de fanzine, en fait. Tuer. Tout à fait, ouais, tout à fait. Mais le succès est là assez rapidement. Tout à fait, bah, dès le début, en fait. Ouais. Dès le début, hein. Ils ont imprimé, je crois, 3000 au début, ou 2000, je sais plus, et ça a monté. Ils ont fait des first print, des second print, une troisième impression. Et c'est deux mecs, hein, c'est un double cerveau, les Tortues Ninja. C'est ça, tout à fait, ouais, tout à fait. 3 ans plus tard, il y a un dessin animé, donc c'est fou, ça veut dire que le succès est énorme ouais. Aux États-Unis. Parce que avoir un dessin animé 3 ans plus tard autour d'un comics, d'un fanzine, c'est fou. Mais le dessin animé est un peu arrivé de manière mercantile. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ils ont commencé par des jouets, et après, oui, ils ont fait un dessin animé. Et les jouets aussi ont été une réussite hallucinante. Je crois que ça s'est vendu très très bien dès le début. Dès le début, ouais. Toi, t'avais quel âge quand les tortues étaient passées à la télévision? Entre 6 et 8 ans. Ouais, 6 et 8 ans, ouais. Tu collectionnes tout ce qui est attrait aux tortues parce que c'est ton enfance? Tout à fait. Ouais. C'est mon enfance, c'est un délire. J'ai commencé par le jeu vidéo. Ok. Et puis après, ensuite, ça devient une drogue. Et puis tu chopes tout ce qui existe en matière de tortues, quoi. Du jouet, du bouquin, des trucs insolites. Bah, vu que t'as commencé avec les jeux vidéo, moi j'ai envie de dire, bah, commençons notre aventure avec les jeux vidéo. Ouais. Allez. Tu nous disais que les Tortues Ninja, c'est sorti le premier en 84, c'est ça? Oui, le 5 mai 1984, oui. Ensuite, c'est devenu un dessin animé autour de 88. Tout à fait. Entre-temps, il y a eu les jouets qui ont grave marché. Voilà. Et quand il y a une licence qui a du succès, bah, on fait un jeu vidéo. Voilà. D'ailleurs, pendant très longtemps, je crois, la Nintendo, la NES, était vendue en bundle avec le jeu des Tortues Ninja. Tout à fait, ouais. Avec un cache tout autour de la console, ouais. À l'effigie des Tortues Ninja. Toi, tu as des jeux qui étaient à toi déjà, enfant? Et dans ta collecte, ou alors t'as tout racheté après? Non, j'ai tout racheté après. T'as tout racheté après. Bon. Donc du coup, on a le mythique Tortue Ninja sur NES. Tout à fait. Donc voici des images, voilà, ça vous laisse rêveur. T'as tout en jeu vidéo? En matière de jeu vidéo, ouais, je sais quasiment tous, ouais, tous. Ouais. Donc du coup, on est d'accord que lui, il est mythique. Et c'est que celui-là. Le deuxième, le plus mythique, c'est celui sur la Super NES, c'est Turtle in Time. Tout à fait, ouais. Turtle in Time, donc qui est un beat 'em all un peu à la Street of Rage. Ouais, qui existait en arcade. Tout à fait, ouais. Mm. Où tu peux jouer à deux en même temps, ça. Je crois que c'est à 4 en arcade et je dirais à 2 ouais, sur Super exact, Nintendo. Tout à fait, ouais, tout ouais. À fait, ouais. Ce jeu était hallucinant parce que les concepteurs avaient créé une mort différente pour les tortues. Tomber dans un trou, il y avait une animation. Tout à fait, Il pouvait brûler, il pouvait se faire écraser par un tonneau. Ouais, et ça, à chaque fois, c'était hyper drôle. Et il y avait ce truc fou que je ne me rappelle pas avoir vu dans un autre jeu, c'est que tu pouvais choper les ennemis et les jeter sur l'écran. Ouais, alors, tu vois, les soins d'accord ça ou sur les côtés, ouais. C'était vraiment un très très bon jeu. Et alors du coup, t'as quoi dans ta collecte qui est cool en jeu que toi, tu kiffes? Alors moi, j'aime beaucoup le 3. Le Turtle 3 Manhattan Project, qui est sorti uniquement aux États-Unis. D'accord. Bah, c'est celui qui est entre le Arcade Game, qui est le 2, et le Turtle in Time. Ok, qui d'accord. Est sorti uniquement sur NES, il est sorti uniquement aux États-Unis, tu vois. Comme tu vois, derrière, c'est écrit tout en anglais. Il n'a jamais été édité en France, tu vois. Et que sur NES? Que sur NES, oui.
Ok. Il y a celui-là qui est cool, Hyperstone Heist. Ça ressemble un peu à Turtle in Time, mais un cran en dessous. Ah, d'accord, ils n'avaient pas la licence Turtle in Time. Tout à fait. Du coup, ils ont fait un jeu un peu équivalent, mais pas le même. C'est ça, voilà. Donc, tu l'as en version européenne. Ouais. Tu l'as en version américaine, donc plus badass, avec des tortues qui font vraiment plus comics. Là, tu vois, on est plus tortues, dessin animé, ouais. 88, pizza, machin. Ouais, tout ça, c'est film, quoi. Ça, c'est vraiment plus comics, je dirais. Plus comics, ouais. Et t'as la version japonaise où ils l'ont appelé Return of the Shredder. Ah ouais, rien à voir. Le dessin, mais probablement rien à voir. Même au début, quand je l'ai acheté, je me suis dit non, c'est un fake, c'est un truc, ils me l'ont copié et tout et tout. Et non, pas du tout. Et donc c'est un beat'em all aussi. Tout à fait. Et tu voyages dans le temps ou pas? Non, c'est un beat'em all à la con où t'avances, t'éclates des gars. Des et foot. Ouais, voilà. Mais plutôt bien foutu, ouais. Plutôt bien réalisé. Donc on a aussi de la baston, mais de la baston à 1 contre 1. Moi j'ai kiffé la version. Moi j'avais la version Super Nintendo, mais tu m'as fait découvrir la version Mega Drive. Alors la version Super Nintendo où t'avais Leonardo sur le Bordeaux. Ouais, c'est ça, ouais. Bordeaux bleu. La version Mega Drive, c'est Raphaël. Donc là t'as la version européenne. Ouais. Là, t'as la version japonaise. Les Japonais, ils ont toujours des jaquettes plus jolies, hein. C'est ouf. Oui, c'est clair. Et là, vraiment, t'as les tortues qui combattent. Alors, pour moi, ils combattaient des personnages que je connaissais pas. Alors, c'est des personnages que tu trouves dans les dessins animés, justement, et dans les premiers comics américains, où tu as Triceraton, ouais. Ray Filet. Un espèce de, ouais, tu sais, espèce de ray bleu. Je jouais tout le temps avec lui parce que son super coup était génial. T'avais toute l'eau qui remplissait l'écran. Ouais, fou, voilà, quoi. C'était ça. Après, t'as les 4 tortues, tu as Casey Jones, ouais. Que tu connais. Casey, oui, là, oui. Bah, il n'y a pas trop de personnages, hein, dans celui-là. Bah, hein. Oui, mais bon. Tu tournes à 8 personnages. Ouais. Le jeu est très dur techniquement. Très, très dur. Bah, tu sais, c'est des coups spéciaux un peu à la street, là, des quarts de cercle. Ouais. Et ouais, des fois, tant que t'enchaînes et tout, l'autre, il te mettait la pâtée. Mais c'est un bon jeu, je trouve. Oui, c'est un bon jeu. Ouais. Qui est cool. Mais je préférais le délire Beat'em All. Où t'avances un peu à la Street of Rage et... Bon, en tout cas, t'as plein de jeux, on va pas tous les faire. Non, voilà, après, t'as la version Game Boy qui est vraiment cool. Alors, tu me disais un truc sur cette version en loose que tu n'as pas en boîte. Le Radical Rescue, le 3, oui. Alors, Radical Rescue sur Game Boy, c'est un des derniers jeux, tu disais. C'est un des derniers jeux qui est sorti pour la Game Boy. Okay. Et le trouver entièrement en boîte nautisme, ça se trouve, hein. Mais ça a des prix, entre qui avoisinent les 300-400€. C'est fou. Ouais. Bah, comme celui-là, le Turtle in Time sur Super Nintendo en boîte nautisme, on est dans les 300-400€ aussi. Ouais. Ok. Version PAL. Hein. Ok. Après, on remonte un peu dans ta... On va faire cette vitrine d'abord. C'est les tortues qui se transforment, celle-là, ou pas du ouais, tout? Ouais, c'est ça. C'est les tortues, en fait. Tu peux les replier dans leur carapace. Et qui deviennent des tortues. Tu les ouvres et puis ça peut... tu peux avoir des palmes et tout. Peut... Voilà. Donc les tortues avant d'être touchées par le mutagène, quoi. Ouais, pas vraiment encore. Celles-là, elles ont des pieds, tu vois, comme ça, qui se mettent sur les côtés. C'est pas ouf. C'est de la mutation vers son Lidl. Ouais. On va dire ça comme ça. Au-dessus, bon, on a de la pop, ça, c'est... Ouais, bah c'est classique, c'est trouvable de partout. Hein, le masque de Casey Jones, oui. C'est vieux, ça, non? Non, c'est NECA qui l'a réédité il n'y a pas longtemps. Je l'ai apporté des États-Unis, mais ça se trouve facilement. Derrière, c'est quoi? C'est des verres? C'est des mugs. Ah, c'est des mugs, d'accord. Des mugs, mais sans anse. C'est comme un gros gobelet, en fait. Ok, d'accord. Et ça fait comme un torse de tortue. Ok. Et moi, j'aimerais qu'on parle de ça, là. C'est fou. C'est un jeu pas électronique. Non, c'est un jeu pas électronique, non. Donc, bah déjà, on. Ouais. Tu recharges. Tu le recharges. Et là, tu montes Léo pour éviter que Shredder tire. Et qu'est-ce qui se passe s'il arrive à tirer? T'as des compteurs de points ici. Bon, après, tu vois, ça va très vite. Hein, ah ouais, d'accord, donc, ok. Donc, tu peux pas le remonter pendant 15 heures. Ouais, ouais. Là, tu as un degré de difficulté. Ok, et c'est fou ce truc-là. Bah, ça a été fait à une époque où les jeux électroniques existaient. Ça a été fait en 90, ouais. Exactement, bah, Tiger faisait déjà les jeux électroniques, ouais. Ouais. Encore là, on a de la montre. La bande-annonce en 8 mm. Ah, la bande-annonce. Ouais, la bande-annonce du premier film des Tortues Ninja en 8 mm, ouais, ici. T'as trouvé ça où? Bah, sur le bon coin, enfin, via par un pote qui a chopé tout et tout. Il m'a dit j'en ai un autre. C'est trop cool. Ouais, c'est cool. Ah ouais. Donc à côté, on a ça des figues bon du tiré du film, du ouais, premier ouais, film. Ouais, les statues NECA. Les statues. Ouais. Derrière, je vois des dédicaces sur les Tortues Ninja. Là, j'en vois aussi. C'est les doubleurs. Alors ça, c'est les doubleurs des voix françaises pour le dessin animé. Ok. Donc t'as Marc Lesser pour Léo, Alain Flick pour Mickey, Denis Lostria pour Donny et Thierry Ourdon pour Raphaël. Ok. Et là, c'est les mêmes? Là, oui, c'est les mêmes, parce que j'ai voulu faire un DVD et je voulais faire une cassette vidéo. Ah oui, d'accord. Je me suis dit, la cassette, ça fait vachement plus vintage, c'est...
Ouais. C'est cool aussi. BHC, c'est cool. Donc, ouais. Du puzzle. Du puzzle, du jeu de société Memory, du papercraft. En fait, t'as un décor, t'as des tortues en papier, tu les colles et tu te fais toi-même ta propre univers, ta propre aventure, ouais. Ok, ouais, cool. C'est assez ludique, ouais. C'est, ouais. Bien, c'est cool. T'as un comics noté 9-8. J'ai un CGC en 9-8, ouais. Bah, le seul et unique que j'ai, parce que c'est GC, ça vaut assez cher quand même. Ouais. T'as toutes les époques, hein, Tortue Ninja. Bah, j'essaie de faire un peu tout, ouais, choper un peu tout, un petit peu de vintage, du récent. Moi, je prends tout en fait, ce qu'il y a en tortue. Et cette tortue géante là, qui est là, ça date de quelle époque ce jouet là? Ça, c'est récent, ça. Ça. C'est quelque chose il y a 3-4 ans en arrière. Ouais. D'accord, ouais, ok. Ouais. Et c'est une base qui s'ouvre. C'est une base qui s'ouvre, tu ouvres le ventre, tu ouvres les pattes. Okay. Et ça te fait une grosse base de jeu. Ça te fait chier sur l'ouvre, hein. C'est ça. Hein. Honnêtement, ouais. Thomas a trouvé sur internet des images de cette tortue qui s'ouvre. Alors là, c'est un jouet qui date de quelle époque? Ça, c'est un jouet qui est récent, qui doit avoir un peu moins d'une dizaine d'années. Ok. Donc c'est une base en fait de tortue qui s'ouvre avec plein d'accessoires dedans. Donc ça, il faut l'enlever. Tu peux mixer des tortues en fait dessus pour faire un combat. Pour qu'elles se battent. Exactement. Okay. Ah oui, d'accord, c'est la base des tortues quoi. C'est ça, tout à fait. Avec donc, un bout de métro. Voilà, ouais. Tu vois, t'as un canapé là. Hop là. Ah oui, ça arrive tout le temps ça, les canapés ça, qui se retournent. T'arrives avec ta gonzée, c'est tout et tout. Hop là. Ah chérie, là t'as un ascenseur. T'as la porte ici. Ah, oh, la porte secrète. La porte secrète. Là, tu as. Normalement, je crois que tu as un truc qui en. Qui éjecte comme ça. Ah. Et puis après, bah, c'est surtout une base d'activité, de jeu. De jeu, ouais. Où tu mets tes tortues ouais, en action et tout. Bah, après, quand t'as un gamin, ouais. Donc si t'avais de la place, tu mettrais tes tortues en action là-dedans. Si j'avais de la place, ouais, j'aurais certainement fait une scène. Un diorama, ouais. Exactement, avec des tortues posées ici, ici, mais malheureusement, pour gain de place, bah, il est plié, rangé et stocké en haut de l'étagère. Trop cool, c'est vachement bien. Donc, on parle de tortues encore et toujours. Là, moi, j'adore tes bombes. Tu as chopé ça où, tes bombes? Donc ça, c'est un artiste qui s'appelle Masta, qui les a réalisées. Il a réalisé aussi la planche que tu vois là-bas. Ok. Et on voit derrière du Eastman. On revient sur l'histoire des tortues et après sur l'histoire de toi avec les tortues. Là. On va dire que les deux créateurs des tortues, ça allait très bien jusqu'au moment où ils ont gagné énormément d'argent avec le merchandising fait autour des tortues. Ça. Et il y en a un des deux qui a décidé un petit peu de lâcher l'affaire et un des deux qui a décidé de faire des affaires. En quelque sorte, ouais, on peut dire ça, ouais. Voilà. Donc Eastman est celui qui a gardé la licence des tortues. Principal, oui. Voilà. Mm. Parce que c'est toujours mélangé avec Kenner, je dirais. Il y a, Nickelodeon. Nickelodeon, Viacom. Maintenant. Viacom, ouais. Surtout. Okay. Et Peter Laird, du coup, tu le retrouves faire 2-3 conventions aux États-Unis, mais. Mais il est parti. Sans plus. Après, il y a toujours l'esprit de la tortue et tout, mais je crois pas qu'il doit toucher. Ouais, l'esprit de la tortue. C'est très important. Mais je crois pas qu'il doit toucher des fonds tant que ça, ouais. Après, je pense. Tu l'as rencontré déjà, lui? Peter Laird, non. Non. Non, parce qu'il faut vraiment aller aux États-Unis, il n'est pas dans des conventions qui sont faciles d'accès. D'accord. Par contre, Kevin Eastman, oui, deux fois, oui. Alors, tu l'as rencontré où? Donc, la première fois, c'était aux États-Unis, à Rhode Island, à la Comic-Con de Rhode Island, ouais, à Providence. Et la deuxième fois, c'était en Belgique, cette année, à Gand. Et donc, forcément, tu lui as apporté des trucs à dédicacer. Ouais, bah toujours, toujours. Alors, t'as quoi? Alors là, je vois, t'as les sacs, tes sacs, donc, ton sac tortue. Donc ouais, j'ai un sac à pizza et ma carapace. Ça, c'est les affaires que je prends quand je vais en convention. Okay. Donc ça me sert pour les petits comics, ça généralement pour les gros TP. Ouais. Parce que ça rentre pas dans la carapace et je veux pas l'abîmer surtout. J'ai le numéro 4 de 1984. Alors ça c'est fou, ça il faut le montrer aux gens. Donc comme on le disait tout à l'heure, les Tortues Ninja ça a commencé en comics. Voilà. Mais c'était pas un comics comme un comics de Batman ou de Spider-Man. Non. C'était vraiment du fanzine quoi. Et donc ça c'est vraiment celui d'époque. Tout à fait ouais. C'est un j'aurais jamais cru en voir un en vrai. Donc tu vois le papier il fait un peu feuille de chou. Ah bah ouais. Voire PQ hein. Ouais on peut dire ça ouais. Sauf que je tenterais pas de m'essuyer les fesses avec. Mais, non. Ça me ferait chier surtout. Ouais, oui. Donc ouais, tu vois, c'est plutôt une belle pièce. Ouais. Donc le quatrième épisode des Le quatrième épisode des Tortues. Et il faut savoir que la deuxième couverture, parce que c'est la couverture A, et tu as la couverture B, c'est celle qui a servi à la boîte du jeu sur NES. Ah d'accord, ok. Voilà, où t'as les quatre tortues qui ont les bandeaux rouges. Ouais, okay. Parce qu'à la base, elles avaient toutes les quatre les bandeaux rouges. C'est le dessin animé. Et c'est après, voilà, exactement, qu'il a décidé de leur donner une couleur différente en fonction surtout du caractère de la tortue. Donc, c'est pas grave. Et en fonction des ventes, parce que
une tortue avec un bandeau rouge, bah, tu peux acheter les quatre fois les mêmes. T'en achètes qu'une, en fait. Bah, tandis que t'as envie d'avoir celle qui est violette. Oui, bah oui, il y a un côté marketing derrière, on va pas se mentir. Ouais, bah, comme les Schtroumpfs, enfin, je sais pas si tu savais, mais quand les Schtroumpfs sont arrivés aux États-Unis, ils ont acheté à Peyo dans les années, début 80, et ils ont dit à Peyo, donc il y aura un Schtroumpf jaune, il y aura un Schtroumpf rouge, il y aura un Schtroumpf vert, et tout ça. Et Peyo, il a fait, mais pourquoi? Parce que sinon, on va vendre qu'une peluche. Oui. D'accord, ouais. Et là, tu fais... Ah, et là, Peyo a fait jamais. Par contre, là où il a cédé, c'est quand les Schtroumpfs noirs sont arrivés là-bas. Ouais, Knapp. Ouais, eux, ils ont fait des noirs méchants aux États-Unis. Non. Ouais, ouais. Ils vont être violets. Et là, Peyo a fait... Ok. Mais ils sont noirs, les Schtroumpfs. Ils sont violets. Les Schtroumpfs noirs aux États-Unis, c'est les Schtroumpfs violets. Ah, d'accord. La version américaine. La version américaine dans le dessin animé. Tu sais qu'à la base, on devait parler de tortues et pas de Schtroumpfs. Pardon, mais écoute, on parle de merchandising par rapport à, à des petits personnages de couleur. Je savais pas que les Schtroumpfs noirs étaient violets aux States. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, quand tu le dis, les Schtroumpfs noirs méchants aux États-Unis, ouais, faut. Donc là, c'est le comics d'origine. En dessous, t'as une blanque. Une blanche cover dédicacée par Hitzman, c'est Shredder. Donc c'est l'auteur d'origine qui t'a fait cette dédicace. Exactement, ouais. Tout à fait, ouais. Il sait les maîtriser, hein, ces personnages. Ah bah oui. C'est pas les trucs où il met une demi-heure, machin et tout. Hein. Ça va très vite, il attaque direct au marqueur. Tchac, 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 tchac. Ah oui, oui. C'est vite. C'est un peu machine. C'est un peu machinal quand tu passes à sa table, mais quand même, il prend quand même le temps de discuter avec toi. Il y a toujours un sourire, une parole. Tu sais, c'est pas le gars, je suis plein d'argent, machin. Allez, vas-y, va-t'en, tu vois. Non, non. Il aime vraiment... ses fans. Je pense qu'il aime ses fans. Contrairement à celle de Rhode Island et celle de Gant. Gant, tu vois, il était venu uniquement avec des blank covers déjà faites. Il y avait une commission qui était à 5 000 $, je crois, un truc comme ça. Enfin, ouais, c'était très, très, très cher. Non, ça, 1 000 $. 1 000 $ qui était très cher. Attends, 1 000 $, c'était quoi? C'est une couverture? 1 000 €. C'est un dessin. Ah, mais c'est Hitman, hein. Si tu veux une planche originale de Hitman, c'est 4 000 $. Oui, bien sûr, bien sûr. Okay, si tu veux acheter sa première tortue qu'il a dessinée en 84 avec Peter dans le New Hampshire, dans leur baraque où ils étaient au début, tu peux l'acheter, qui est enfermé dans 2 plaques de verre. Sur son site, il la vend 1 500 000 $. Mais t'as la First Turtle, qui est Michelangelo, une tortue toute dégueulasse comme ça avec... des nunchaku accrochés. Et il l'a encore. Bah oui, je pense pas qu'il l'ait vendu, hein. 1 500 000. Après, possible, hein, tu sais, des riches milliardaires. Et donc, ce monsieur vend aussi ses jouets. Et ça, j'aimerais que tu nous expliques et que tu nous montres. Il vend ses jouets. Certains te diront, ouais, c'est des jouets qu'il a achetés en brocante, qu'il a reblisté et tout. Je vois mal Hitzman se lever le matin, aller fouiller les brocantes pour trouver de la tortelle. Donc, je pense que ça fait vraiment partie de son studio. Donc, il a recréé des boîtes. Donc, Hitzman a quand même a beaucoup participé à la fabrication, à l'étude des jouets. Oui, bien sûr. Il était vraiment à la base du truc. Bah, il est à la base sur tous les trucs qui sortent après, en tortue. Et donc, forcément, il a eu ses jouets à l'époque. Oui. Voilà. Et donc là, en gros, l'idée, c'est qu'il te vend sa collection personnelle de tortues. Reblistée. C'est ça, tout à fait. Qui est complète, donc avec toutes les armes. C'est pas juste la tortue comme j'en ai qui sont en loose. Ouais. Avec les armes, dédicacées sur la poitrine ou sur le pied pour certains, ça dépend. Remis dans un blister spécial en indiquant que c'est un objet qui fait partie de sa collection personnelle. Avec dédicace dessus et puis un petit dessin. Avec, ouais, mais le petit dessin, c'est de l'imprimé. Hein, c'est sûr. Pas un dessin original. Dommage, et donc là, From the Personal Collection, voilà. Kevin Hitzman. Certifié, tout et tout. C'est fou. Et ça, tu peux l'acheter uniquement sur son site, sur Kevin Hitzman Studios. Ça coûte combien à peu près? Alors, ça dépend de la tortue, ça dépend de. Du personnage. Ok. T'as des personnages, des tortues, donc sachant que c'est les plus chers qui avoisinent les 100-110 €. Okay. Et puis t'en as qui sont un peu moins chers, un peu moins connus, des petits méchants qu'on voit. Genre le méchant de terre, celui le colonel qui est en caillou. Le général Krag, ou alors Ace Duck, tu peux l'avoir pour 45-50 €. C'est pas si fou. C'est pas si excessif. Le problème, mais c'est vrai que ça fait envie d'en avoir au moins un, quoi. Ben, c'est ce que je me suis dit. Ouais. Je voulais pas me taper toute une collection complète et tout, parce que je préfère acheter du comics plutôt qu'acheter de la figue. Je vois, t'as du jouet japonais. Pourquoi? Parce que les tortues, c'est américain à la base. Ouais, mais ils ont en fait en version japonaise des mutations, qui sont plutôt cool en plus. Alors, ça n'existe pas dans les autres... Si, si, ça existe en version européenne aussi. La version mutation existe. Après, c'est juste le boîtage qui change. Donc, c'est pas le boîtage est super beau. En blister. Donc, c'est tout écrit en jap. Jamais ouvert. Hein. Ah ouais. Eh oui, et ça se range dans son dos, et quand t'appuies sur le bouton, t'as le costume qui vient sur lui automatiquement. C'est ça, voilà. Ouais. Donc j'ai que Rocksteady et Michelangelo. Au début, les tortues faisaient rien de spécial, mais très rapidement, ils ont commencé à faire des tortues avec des... ils sont partis dans des délires, des gadgets, c'est ça, ouais, voilà. Où tu peux interchanger la tête. Avant transformation. Et pareil pour les mains aussi. Hein.
ils sont allés au bout du délire, tu vois. Ah, tu vois, merde. Tu interchanges les mains, bah ouais, faut... Un mec qui a une tête humaine avec des mains de porc, c'est pas terrible, tu vois. Et en dessous, ils lui ont mis une sorte de creuse-mine. Mais n'importe quoi. Sous les pieds. Mais pourquoi ? Bah, après, disons, tu te un tire-bouchon. Tu te prends la chaussure tire-bouchon, le truc pratique, quoi. C'est là, t'as la version 2012, qui sont parlantes. Trop cool. Donc j'ai que Raphaël et Mickey qui fonctionnent, hein, les deux autres. Et là tu me disais que t'avais ta tortue la plus ancienne aussi. J'ai une tortue ancienne Hambister, vintage, donc elle est pas de 88, celle-là elle est de 92, 94, mais c'est la version canadienne. Héros dans une demi-carapace. Tu sais, ils traduisent tout au Canada. Ouais, ouais, littéral quoi. C'est la seule que j'ai en blister et tout. Ouais. Je pourrais en avoir d'autres, mais ça c'est un coup du sort, ça tombe comme ça, c'est pas très cher, bim, je prends quoi. Ok. Parce qu'après sur internet, tu peux te les procurer, hein, bien sûr. Bien sûr, hein. Les vintage, dans tous les états, prix, de tous les âges et tout. Ouais. T'as des prix pour tout. Donc toi tu me disais, t'aimes bien les tortues, mais c'est surtout le comics à la base qui t'a amené là. Donc là, on a toute ta collection de tortues en comics. En comics, oui, voilà, il y en a à peu près 750 en single. 750. Que des singles réunis dans ces six cartons. On est sur du récent, du vieux Il y a de tout. De tout. Il y a du récent, il y a du 84, il y a du 90, il y a toute la collection Longgoing d'IDW qui se fait actuellement. On en est au numéro 96. Ok. Actuellement. Bah là, on se dirige vers le numéro 100. C'est la première fois dans les Tortues Ninja qu'on arrive à un numéro 100. Parlons un peu de l'économie du comics Tortues Ninja, mais donc je sais que ça a eu un méga succès dans les années fin 80 grâce au dessin animé et le comics avait un succès, mais le comics s'est arrêté fin 90, un truc comme ça, ça se vendait plus. Non, puis aussi t'as eu plein de trucs qui sont arrivés, le fait du film Batman aussi, ouais. Ça lui a fait du tort. Parce que la licence a connu un gros flop. La licence a connu un flop. Tu crois que c'est à cause du film Batman ? Enfin, ça fait pas partie. Non, mais tu sais, quand tu veux sortir un film et que t'es déjà un peu en retard. C'était Tortue Ninja 3, c'est ça ? Non, le premier, 1990. Il y a Tim Burton qui avait sorti Batman en 89, si je dis pas de bêtises. Et le premier film. C'était un peu dépassé. C'est ça, ouais. Et tu commençais déjà à bouffer la feuille à cette époque. Ouais. Ils ont fait le 2 qui est correct, mais qui est pas ouf. Et le 3, faut pas en parler. Quoi. Le 3 a été un gouffre financier. Ils ont eu énormément de mal pour le faire. Mmh. Et ça les a foutus vraiment dans une merde hallucinante. C'est plus vraiment les mêmes tortues. Tu vois que c'est. Ouais. Tu vois qu'au niveau des maquillages. Et, même Leonardo, c'est plus la même tête. Non, ça marche plus. Il n'y a plus d'argent. Pourtant, partir au Japon, c'était plutôt pas une mauvaise idée. Oui. Mais après, il y a des trucs qui ne vont pas du tout dans le film. Quoi. Donc du coup, les tortues, on les oublie. Et puis, fin 90, on relance un dessin animé, 97-98, je dirais, sur Fox Kids en France. Non, c'était en 2003. 2003 ? Ouais. Entre-temps, il y a eu le dessin animé de 88 qu'on connaît tous, avec les tortues qui passaient sur les minicums. Ouais. Après, t'as eu la tortue de 2003, qui est celle-là. Plus badass, plus vénère, avec les yeux blancs, qui était vraiment américain. Et la série live, elle date de quand, la série live où il y a la cinquième tortue, Vénus ? Ah non, ça, je veux pas en parler. Ah ok. Non, c'est... Tu oublies. Okay. Pourquoi bah, il y a non, tout sur Netflix, hein, si vous voulez voir. Oui, faut surtout pas aller voir. Non, mais cette catastrophe, quoi. C'est... Donc en 2007, on a le film d'animation avec les 13 monstres, qui était vraiment cool. Ouais. Vraiment, vraiment cool. En 2012, tu as un dessin animé en 3D qui sont à peu près dans ce genre de design. Qui est génial, avec un super scénario. Avec des gros pieds, qui fait vraiment plus enfantin, mais qui a un scénario de ouf. Et ensuite, on a actuellement les Rise of the TMNT, donc les figurines que tu as ici. Il y en a au comics, ça commence à sortir. C'est sorti en septembre l'année dernière, en dessin animé. Et tu as les deux films qui ont été refaits en 2014 et en 2016. Donc, bon, qui sont un peu... Le 1 est correct, on va pas... Moi j'aime bien. Ouais. Moi, j'aime bien le design 1. Des tortues, j'ai du mal quand même. Ouais, voilà. Bah, c'est ça, ça fait un peu trop gros mutant, méchant, mais... je trouve que c'est pas si mal rendu que ça. Le 2, un peu en flop. Mais après, je pense qu'il y a tout le délire qui amène avec Megan Fox, que les gens disent que c'est trop merchandising. De toute façon, il y a toujours des gens pour critiquer. Donc on parle des comics. Et donc, toi, t'as plein de comics. Et ça, qu'est-ce que c'est ? Parce que c'est un comics qui n'est pas fini pour moi. Donc ça, c'est une blank cover, ça s'appelle. Mm-hmm. Donc c'est un comics, en fait, qui possède une planche à dessin. Donc c'est un vrai comics. Hein. Ouais. Donc tu as... La couverture d'origine qui est ici. Tu as l'histoire de ton comics à l'intérieur. Et en fait, c'est le genre de comics que tu amènes à un artiste. Bon, généralement, un artiste de tortue. Ça, c'est plus cool. Et bah, tu lui demandes de te faire un dessin. Ça, c'est un vrai papier à dessin pour le coup.
Ouais, d'accord, ok. Et donc toi, t'es allé voir, ça c'est un truc que tu fais beaucoup. Bah, c'est cool d'en choper parce que t'en as pas souvent, t'en as pas sur tous les numéros. Et quand tu peux en avoir... Et du coup, quand il y a un truc qui sort comme ça, t'en achètes plusieurs ? Des blocs ? Bah, t'essayes, ouais. Après, ensuite, avec des potes, t'essaies de penser à eux. Mais c'est vrai qu'au début, je faisais un peu ma chasse tout seul. Donc, par exemple, tu prends le numéro 51, chez Kader, il y en avait 10. J'en ai pris 6, quoi. J'en ai laissé 4. Je me suis dit, on sait jamais. Ouais, j'ai fait un peu mon crevard. Mais bon, c'est tellement des trucs difficiles à trouver qui sont cool une fois qu'ils sont décidés, que c'est dommage de passer à côté. Donc, ça, c'était au LGS l'année dernière à Lyon. Ça, c'est David Baldéon. Donc quand t'as un gars qui a vraiment envie de faire de la tortue, qui a vraiment envie de dessiner pour des prix plutôt abordables, tu peux avoir vraiment des trucs cool. T'as Cabaltira. Putain, il est magnifique celui-là. Et puis c'est pas forcément super cher selon l'artiste. Hein. Donc, ouais. Après ça dépend ce qu'il met, c'est quoi, des couleurs, des tons de gris. Après t'as des artistes qui ont vraiment fait de la tortue comme Ben Bishop. Celui-là tu vois, je l'ai commandé avant d'aller chercher aux États-Unis. Toi, tu le contactes par Messenger, machin et tout, tu te mets d'accord, tu veux juste un Léo. Après, j'en ai plein d'autres hein, qui ont fait de la tortue, d'autres qui n'ont pas fait de tortue du tout. Que tu obliges à dessiner des tortues ? Bah, pas que j'oblige, mais en fait, quand je pars en convention, je pars du principe, je veux de la tortue, j'en ai rien à foutre de faire des Iron Man, des Captain America, des Batman et tout. Chacun son délire. Hein. Il m'a fait faire une tortue. J'ai une tortue. J'ai une tortue de toi. Ouais. D'ailleurs, je voulais Leonardo parce que c'est ma préférée, tu m'as fait un Donnie, celui que j'aime le moins. Bon, c'est ça, mon préféré. Ouais, mais bon, voilà, il faut écouter tes clients un peu. Ouais, c'est vrai. Pas possible. Le Kinder, tu m'as méga surpris. Bah, ça fait longtemps que j'ai pas bouffé de Kinder, surtout des géants. Mmh. Mais ça, c'est des jouets Kinder, là. Ça, les 4 là, ouais, c'est les jouets Kinder de cette année, ouais. Donc ça c'est la dernière génération de Tortue. Ça, c'est la dernière génération de jouets Kinder, ouais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est super beau. Donc ça, c'est des Kid Robots. C'est des figurines, hein, toutes simples. Qui étaient dans des boîtes, tu sais, les grosses boîtes en carton, tu achètes et ouais. Tu sais pas ce que tu as dedans. Ah fait. Oui, d'accord, ok. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, ouais. Le van des tortues, t'en as plusieurs, van des tortues d'ailleurs? Ouais, j'ai plusieurs. Bah, j'ai l'original. Celui de base, celui-là. Ouais. Celui-là, c'est celui de la série animée de 2000. Ça, c'est plutôt 2007. Ça, c'est 2003, là-haut. Ouais, ok, d'accord. Là, on est sur un playset un peu à la. C'est Mighty Max. Tu okay. Loues juste en deux. T'avais des mini-figurines, je les ai pas. Hein. J'ai pas les petits. Les petites tortues qui vont avec. Ouais, d'accord, ça, c'était un espace de jeu, quoi. Ouais, voilà, tout à fait, ouais. Ouais, c'est trop cool. Ça existe aussi en version Toka, où à l'intérieur, t'as le Technodrome. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et là, c'est la même chose, mais en géant ? Ça, en fait, c'est un 4x4. C'est une Jeep. Hein ? Ouais, c'est un véhicule, c'est un jouet, un véhicule de l'armée. Et ouais, ils avaient sorti toute une gamme de jouets, en fait, avec Tortue Ninja armée, où t'as Leonardo en sergent, t'as Raph avec une mitraillette. Oui, ça, c'est les jouets. T'as un avion de chasse. C'est les jouets de base, ça ? Exactement, voilà. Ouais. Et là, c'est. Une tortue, quand tu l'ouvres, tu vois, tu as les roues en dessous. Elle devient un tank. Ça devient un 4x4. Ok, mais c'était un jouet pour les jouets tortues. Oui, tout à fait, ouais. Ah ouais, d'accord, bien ok. Sûr, bien sûr. C'est très étrange. Tu as les roues comme ça, après ça fait un peu comme un Transformers, il faut mettre les roues sur le côté. D'accord, ok. Tu as le pare-brise ici, tu vois, il faut assembler. Bon, elle n'est pas en super, super étage, je t'avouerais. Ok, d'accord, ok, on la touche pas plus que ça, mais ça nous permet en tout cas de découvrir... Tes pâtes, macaroni and cheese, tortue ninja. Tout à fait, ouais. Donc bah tu collectionnes vraiment tout et n'importe quoi. Il n'y a pas que les pâtes, hein. T'as des biscuits BN en sachet individuel pour l'école. Ah oui, c'est pratique quoi, pour la récré. C'est ça, ouais. Puis tu mets pas du chocolat partout dans ton sac. Quoi. C'est ça, exactement. Donc ouais, t'as les macaroni and cheese. Ouais. Bon, ça, c'est uniquement aux États-Unis que ça. Ah, avec la forme des tortues? Bah oui, bien sûr. Bah carrément, quitte à pousser le délire, tu veux juste. Ah ouais, non, moi j'ai... J'ai de la sauce tomate Spider-Man, ça fait pas la tête à Spider-Man. Hein. Là, t'as la canne à sucre à la pomme. Donc je te déconseille de la sucer, je pense. Je pense pas que ce soit une canne à sucre, c'est une... comment on appelle ça ? Un sucre d'orge. Sucre d'orge, ouais. Voilà. Puis là, tu vois, il y a des cookies, j'ai des chewing-gums, des sucettes... Que tu ne manges pas. Non. C'est juste pour le délire, parce que c'est estampillé Turtle. Ça, c'est les jouets pour enfants. Oui, mais qui date de l'époque, là. Ah oui, ouais, celui-là, oui. Vraiment, je crois qu'il n'y a même pas de date dessus. Il est récent, hein, le pop-up pizza. Mais il est fou. Déjà, c'est trop beau. Déjà, ouais. Le dessin, déjà, il est magnifique. Déjà, c'est mortel. Puis, on dirait un carton à pizza. Oui, et c'est un carton à pizza. Et alors, c'est un playset pop-up pizza japonais des Tortues Ninja. C'est ça. Donc, alors, que je me rappelle comment il s'ouvre, le bazar. Ça, je ne l'ouvre pas tous les jours, t'en doute bien. Mais ça, c'est un truc qui a été fait par qui? C'est vraiment la société Tortue qui c'est Nickelodeon, ouais. Ça allait avec une gamme de jouets. Ouais, avec les jouets de 2012, ouais. Et pourquoi c'est japonais Ça existe en version européenne. Ah d'accord, ok. Mais je trouve que la partie en japonais, je trouve ça plus cool.
Donc ouais, non, c'est un playset qui est très simple, hein. Tu vois, t'as une porte là sur le côté pour dérober. Ouais, mais il est tout plat et tout ça, c'est trop cool, quoi. Ouais, t'as le Monopoly. Monopoly. Avec les vraies figurines. Les pions sont vraiment bien. Ah ouais. Ça, c'est rare, parce que dans les Monopoly, ils en ont fait plein. Et des fois, t'as les vieux pions en plastique, ouais, tout balourd, dégueulasse. Ouais, ouais. Montre le jeu des tortues, le jeu qui était sorti au moment du dessin animé MB, ouais. Un combat impitoyable. Ah là là là, avec mes cousins, on y avait joué, on ne comprenait rien au scénario. Où tu as Michelangelo qui a pas de nunchaku, mais qui a des sabres également. Ah oui, 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 oui. C'est un peu comme un jeu de loi, si. Dans le, t'as raison sur un certain point. Sauf que tu as des cartes de combat. Le jeu est complet. Hein. T'as la pizza... En roue, ouais, bien sûr. Ouais. Allez à la case de votre choix, reculer les trucs j'utilise ouais, de base. De base. Ouais. Et t'as pas mal de casquettes aussi, parce que t'en as une sur la tête, mais là ouais, j'en ai pas ouais. mal. Hein. Bah, en fait, chaque année, ils en font une. Ah bon? Ouais. Ok. Je les ai pas toutes, c'est celle de l'année dernière. Ok. Des mini ateliers à dessin. Ça, c'est cool. Et t'as appris à dessiner tes tortues comme ça? Non, malheureusement, non. On n'en a pas parlé tout à l'heure, mais t'as des fèves. Les fèves, elles datent de quelle époque? C'est la version de 2012. Eh, mais tu les trouves où? En France? Ouais, sur le Bon Coin. Ah oui, d'accord, ok. Ouais, mais tu trouves de tout sur le Bon Coin en matière de tortues. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce mur magnifique? Donc, on a des commissions que je fais faire à des artistes, soit sur place, soit tu les demandes avant d'aller à la convention. C'est des dessins originaux par des dessinateurs de tortues ou des gars qui n'ont jamais dessiné de tortue. C'est ça okay. qui est cool, voir ouais. les gars, comment ils les interprètent en fait, la tortue, leur façon à eux. Donc ça, c'est Alberto Jiménez Albuquerque qui dessine Letter 44 de chez Glénat. Donc c'est un artiste que j'aime beaucoup, qui est très gentil. En plus, il est francophone, donc c'est plutôt sympa pour discuter et dialoguer avec lui. Sinon, après, tu as les planches originales qui appartiennent aux comics que tu as ici dans les issues. Ouais, ok. Donc là, tu as du Adam Gorham qui a fait Universe numéro 8. Là, tu as du Jim Lawson sur Tales of TMNT, le numéro 46. Là, tu as du Mateus Santoluco, le 69. Si tu me disais, c'est récent, c'est la série ça, la plus récente. Ça, c'est récent, oui. C'est quoi celle-là où c'est des trucs de chiottes? Alors ça, c'est ma BD actuellement que je suis en train de dessiner. C'est toi qui l'as fait? Non, alors ça, c'est un ami qui me l'a fait. Mais en fait, vu que je suis fan de Tortue, il a repris... le dessin original de la couverture du premier Tortue Ninja et il y a intégré mes personnages à la place. Ok, c'est très très cool. Pour pouvoir y faire un print. Tu as du Jim Lawson, tu as Santoluco, Hitman. Donc ça c'est une des cartes du jeu de Munchkin qui est là-haut. Ah oui d'accord, ok. Magnifique. Du Michael Dialinas, ouais. qui est dessinateur sur Tortue également. Après, il y en a qui sont pas du tout dessinateurs de tortues et qui te font des trucs de ouf. Hein. Tu regardes Trevor Ersign. Ah oui, j'allais te dire, lui, c'est un... Ou Fernando Danino. Ça a un coup, ça, c'est sûr. Comme les tortues. Ouais, mais des commissions, ça a un certain coût plus que des comics ou des figurines. Ouais. Ok, oui, bien Donc, sûr. Donc, c'est vraiment... Mais c'est complètement original. Oui, et puis surtout, c'est des œuvres uniques. Ouais. C'est ça qui est cool. Choper une planche originale d'un comics, c'est ouf parce que tu te dis, c'est grâce à ça que le comics existe et je l'ai chez moi. Et moi j'en ai une partie. Voilà, exactement. Ouais. Est-ce qu'on pourrait terminer de parler des tortues avec cette peluche de Donatello? Alors la peluche de Donatello qui a fumé. Oui. Ah, donc tu vois, ouais. Ou alors, soit fumé, soit le gars il a passé une soirée un peu arrosée, tu vois. Oui, il est pas bien. Regardes Raphaël, il a perdu le bandeau dans la bagarre, on va faire ça. Là, on est... Mais lui, il est pas bien, ouais. On est sur des tortues qui vont pas bien. Trop de pizza, tu la pizza, tu vois. Donc, pour finir, tu nous parlais de ta BD. Tout à donc, fait. Tu dessines. Et je dessine depuis très peu de temps. Ouais. Grâce au Drink and Draw Social Club, dont j'en suis... À Lyon. Voilà, tout à fait. J'ai dessiné un jour trois personnages pour le délire, pour le fun. Et puis un jour, je me suis dit, bah tiens, je vais en faire une BD. Et mon comic s'est sorti au mois de septembre. Ok. Et je bosse actuellement sur le numéro 2. Pour l'instant, il y a quelques exemplaires qu'on peut trouver à Comic Zone. Voilà, c'est les Fion Men. Donc Fion Men sur Facebook et c'est on ça. Trouve. Tout okay. à fait, tout à fait. Merci Xavier de nous avoir reçus. Ben, merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. Culture merci. Dead, maintenant c'est tous les mois. C'est toujours en ligne sur YouTube. Grâce à vous et à Tipeee. Je suis en train de mourir, je suppose. Donc si vous voulez que l'émission continue, bah, allez sur Tipeee. C'est cool, c'est pratique, c'est rapide. On a un Utip aussi. Et surtout, merci à Comic Zone de nous avoir aidé à pouvoir faire cette émission et nous déplacer sans que ça nous coûte trop d'argent. Voilà, merci à tous. Merci à Thomas de faire le montage et d'être derrière la caméra. Et puis, à très bientôt. N'oubliez pas que Bad News, c'est tous les mardis et que Culture Z, c'est une fois par mois en début de mois. Ciao. Ciao.
Bye.